Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 6 lundi, que disiez-vous, la vidéo dans laquelle je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors, je vous laissais il y a 15 jours avec en lecture en cours Cat et Bones, le recueil de nouvelles de Janine Frost, publié aux éditions Milady. Donc je ne peux pas vous présenter le livre tout simplement parce que je l'ai prêté. Ce recueil est composé de 3 nouvelles. La première fait à peu près 160 pages. Elle raconte une mission donnée à Cat et Bones. Je n'ai pas pu la lire parce que, en fait, il est conseillé d'avoir lu le tome 6 avant cela pour ne pas se faire spoiler des événements qui se déroulent dans cette nouvelle. Donc, je suis passée directement à la deuxième qui fait à peu près 80 pages et qui raconte une autre mission de Cat et Bones avec une jeune fille super insupportable et qui est poursuivie par des ghouls pour être assassinée. Donc c'était sympa, pas très transcendant, mais bon, ça faisait plaisir de voir à nouveau certains personnages comme Fabian, comme la mère de Kat. Mais je pense que je m'en rappellerai pas très longtemps de cette nouvelle. Et la dernière, ça c'est plus focalisé sur Bones. À l'époque où il ne connaissait pas encore Kat, où il était encore donc chasseur de têtes de vampires, et au moment où il rencontre Marie, la reine des ghouls, qui va lui donner indirectement une mission à remplir. Ah oui, voilà, j'étais en train de réfléchir à la nouvelle, j'étais en train de me dire que je ne me rappelais plus trop, mais ça y est, ça me revient. C'était sympa, mais sans plus pareil non plus, pas un coup de cœur pour ce tome. Je pense que pour les prochaines parutions de nouvelles de cette série, je les achèterai pas. Parce que j'ai pas trop aimé le format. Et je préfère vraiment rentrer dans une longue histoire de Cat et Bones ou des personnages secondaires. Voilà. Ensuite, je suis un petit peu speed, donc je suis désolée si je suis essoufflée, mais je cours, je cours. Et je voulais absolument vous faire une petite vidéo, parce que voilà, ça fait 15 jours et après ça fait trop long. Voilà. Donc, j'ai lu ensuite Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, le tome 1, tiré donc le tome 1 de la trilogie du même nom, aux éditions La Martinière Jeunesse en e-book. Alors, j'ai tout simplement adoré, c'est mon petit coup de cœur du mois. Simone Elkeles, c'est une auteure que j'ai découvert l'année dernière avec Paradise, qui racontait déjà une romance jeunesse, mais un petit peu plus compliquée, avec des personnages qui ont beaucoup souffert l'un à cause de l'autre. Et là, on retrouve le même schéma, une romance jeunesse qui n'est pas niaise du tout, qui est... Il y a des clichés, mais on se laisse vraiment emporter dans leur histoire. Donc d'un côté, on a Brittany, qui est une jeune américaine issue des quartiers riches, qui est capitaine des Pom Pom Girls, qui est en couple depuis plus d'un an avec Colin, le capitaine de l'équipe de foot, qui vit dans une superbe maison, qui fait tout pour être parfaite et aux yeux des copines et de la famille et de tout le monde. C'est la rentrée scolaire, donc là elle doit passer son bac pour et puis bosser un maximum pour pouvoir être intégrée à la faculté. Et en cours de chimie, leur prof va leur imposer d'être en binôme avec la personne qui les suit par ordre alphabétique. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver en partenariat avec Alex Fuentes, un Mexicain qui lui est à l'opposé de son monde, il vient des quartiers pauvres, il est enrôlé dans un gang pour, voilà, pour protéger sa famille et pour parvenir aux besoins alimentaires. Il se drogue, il fait du port d'armes, enfin bref, le bad boy bien typé, on est vraiment dans les clichés américains de la super riche et du super pauvre, voilà, des quartiers chauds des États-Unis. Donc au début de leur rencontre, Alex, il incarne caractère vachement rentre-dedans, donc il va lui lancer des piques, tout ça. Brittany, elle va lui répondre du même air. Ils vont se détester. Et en fin de compte, ils vont se rendre compte que ces petites étincelles qui crépitent entre eux, ça fait plutôt une passion naissante et que l'alchimie va naître entre eux et qu'ils vont plus pouvoir se passer l'un de l'autre. Et ils vont tout faire pour créer des situations pour se retrouver, pour tenter de vivre leur passion au début cachée parce qu'ils sont tellement opposés que les gens ne comprendraient pas leur union. Et puis finalement, ils vont briser tous les préjugés et ils vont y aller, ils vont foncer, ils vont vivre leur histoire d'amour tant bien que mal. Même face à la mort, face à des choses très très dangereuses qui tournent autour d'eux. Voilà. Donc j'ai adoré plonger dans leurs histoires.
Simone Elkeles, elle adore l'écriture multinarrative. Donc, à chaque chapitre, on a un point de vue de Brittany ou d'Alex. Ça alterne d'un chapitre à l'autre. Ce qui fait qu'on est vraiment plongé corps et âme dans l'histoire. Et à chaque fois, on voit, on ressent ce que Alex ou Brittany ressentent. Et c'est trop mignon. Et voilà, ça fait des papillons dans le ventre. Et on est tout content. Et voilà, je suis un peu fleur bleue à ce niveau-là, je sais. Mais moi, j'adore. Et j'ai passé un excellent moment. Irrésistible alchimie, Simone Elkeles, je vous le recommande chaudement, c'est de la young adulte romance qui passe très très bien. Voilà, donc ensuite j'hésitais, j'avais plusieurs livres qui me tentaient, donc il a fallu que je fasse un choix. Et pendant mes vacances, j'ai acheté sur les conseils d'amis un livre. Un livre donc, qui s'intitule Le Manoir d'Emma Cavalier. Donc, c'est un livre érotique qui porte sur le SM. Ça m'intriguait beaucoup. Avec toute cette vague érotique qui sort avec les Fifty Shades et les Dévoile-moi et 80 nuances de jaune, etc. On m'avait dit que ça, c'était quelque chose qui était beaucoup moins. Comment dire. Pas gnangnan, mais voilà, ça sort du commun, c'est plus trash, c'est plus poussé. Et effectivement, ça l'est. Dans ce livre, on passe par beaucoup d'émotions différentes. Alors, en fait, ça raconte l'histoire de Pauline, une jeune femme qui doit avoir, au moment de l'écriture, je crois que, ouais, elle doit avoir 23, 24 ans, qui se fait employer en tant qu'archiviste dans le manoir familial de Julien Edringer. Donc, c'est son employeur. On rentre dans l'histoire dès le début, donc c'est-à-dire qu'on découvre Pauline, on découvre le manoir, on découvre Julien en même temps. Pauline est en train de signer son contrat et en fait Julien lui propose un salaire et lui dit voilà, si tu acceptes d'être puni, si ton travail hebdomadaire n'est pas rempli, tu auras 20% supplémentaire sur ton salaire. Et Pauline, étant assez sûre d'elle et connaissant son travail, accepte la clause. Et évidemment, Julien qui est un maître, va effectivement lui trouver des fausses excuses pour pouvoir la punir et l'entraîner dans ce monde qu'elle ne connaît pas du tout. Donc, en fait, ce livre, aussi bien il dérange dans le sens où on n'est pas habitué à lire ce genre de récit. Où, voilà, pour moi, c'est un monde complètement inconnu, donc c'était vraiment la découverte à travers les yeux de Pauline. J'ai été un peu perturbée par le fait qu'elle accepte aussi facilement les conditions et les punitions. Et moi, je me serais vite barrée. En plus, je trouve qu'au début, Julien, le personnage, voilà, apparemment, c'est un beau gosse, il a beaucoup de charisme. Mais moi, je pense que ça ne me suffirait pas à rester et accepter ces conditions sans connaître plus, sans avoir une première confiance qui naît très rapidement. Et en fait, j'ai poussé ma lecture parce que, mine de rien, on est vachement entraîné dans le récit. C'est super bien écrit. À aucun moment, c'est vulgaire. Il y a du très bon. Enfin, elle utilise un très bon vocabulaire. C'est varié, c'est riche. C'est très rythmé. Alors, effectivement, il y a beaucoup de scènes de sexe. Il y en a, je sais pas, toutes les 2 pages. À chaque fois, ça revient, hein, les punitions, les fessées, les cravaches, etc. Mais au-delà de ça, on a une vraie histoire d'amour en fait qui naît entre elle et Julien. On a tout ce côté psychologique de douleur et de plaisir qui sont liés et comment l'un et l'autre exécutent leur jeu pour chercher l'aboutissement final et repousser toujours les limites du plaisir de plein de façons différentes. Donc c'est un récit qui est complètement libéré, qui est ouvert à tout fantasme et qui finalement, c'est très difficile d'en décrocher. On voit l'histoire complète, on a une histoire complète en même pas 300 pages, donc c'est-à-dire du début du contrat de Pauline jusqu'à la dernière page, et c'est vraiment concret. C'est des choses, ouais, moi je pense que ça peut vraiment se passer, et ça doit vraiment se passer. Et voilà, c'était enrichissant comme lecture et libérateur. Et je vous le conseille pour ceux qui, voilà, qui sont à l'aise avec les récits sexuels. N'hésitez pas, c'est très bien écrit. En plus, c'est une auteure française, donc ce qui change vraiment dans toute cette vague justement de livres actuels. Le seul problème, c'est qu'il est de plus en plus difficile à trouver, donc
Voilà, en tout cas, très très bonne lecture et très bonne découverte. Voilà, donc ça, c'était pour mes lectures de la semaine dernière. Cette semaine, donc j'ai terminé le manoir aujourd'hui. Je pense que j'ai oublié de vous dire des choses sur le manoir, mais faudra aller voir ma chronique écrite quand je l'aurai faite, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Je me rappelle que même pas 100 pages après, j'en discutais déjà sur un forum et les choses sortaient d'elles-mêmes. Et du coup, je me suis dit, oulala, je vais avoir beaucoup de choses à dire sur ce livre qui est, je rappelle, de 300 pages, mais qui est tellement riche dans la construction qu'il fait réfléchir. Et voilà, il est vraiment, vraiment intéressant. Et si, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'auteur, en fait, elle alterne. Donc, elle nous raconte son histoire en tant qu'archiviste. Donc, voilà, donc du coup, en tant qu'archiviste, elle nous sert des passages en italique où elle reprend l'histoire des archives, l'histoire du manoir et des anciens propriétaires du manoir. Et en parallèle, donc, on a son histoire à elle, réelle, voilà, le petit monde qu'elle côtoie maintenant qu'elle fait partie du manoir, et aussi finalement cette dépendance qui se crée dans ses jeux, et le fait que voilà, on sait jusqu'où elle va aller, quelles sont les limites, et on se pose vraiment beaucoup de questions, en fait. Et je pense que je vais envoyer un message à l'auteur parce que j'ai besoin de réponses. Voilà. Donc, je passe à ma lecture en cours, qui est Rebecca Kinn, le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu Dark Light. Donc, ça, c'est un livre qui m'est conseillé depuis très, très longtemps et que Lissou me parle à chaque fois que je la vois. Donc, ça y est, je l'ai sorti de ma pile à lire et je compte bien lire un maximum. Donc là, pour l'instant, il y en a quatre qui sont sortis. Cassandra O'Donnell sera aux Imaginales. J'ai également craqué sur son dernier livre, Sans orgueil ni préjugés, donc le tome 1 des Sœurs Charbray aux éditions J'ai lu, qui est une romance historique et que j'espère lire aussi avant les Imaginales parce que l'auteur sera présente et que j'aimerais bien en discuter avec elle. L'auteur, je l'avais rencontrée il y a un an, déjà aux Imaginales. Je ne savais pas du tout que c'était elle, parce que moi, c'est vrai que son nom, il est bien trop peur. Hein, Cassandra O'Donnell, je pense que je ne suis pas la seule, mais je pensais qu'elle était américaine. Et en fait, non, elle est française. Et du coup, elle était passée à côté de moi, elle avait parlé avec une autre auteure, mais je ne connaissais pas du tout ses livres. Et à ce moment-là, je n'étais pas plus intéressée que ça. Donc là, j'ai lu une bonne soixantaine de pages. Ça se lit vite, c'est écrit gros. Donc je pense que, voilà, je pense que d'ici, ouais, jeudi ou vendredi, il sera terminé. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de créatures surnaturelles, de Rebecca qui est une sorcière qui fuit depuis des années, pour l'instant je ne sais pas pourquoi, tout un univers, et qui se retrouve à Burlington, une petite ville de Nouvelle-Angleterre qu'elle espérait être très calme. Et en fait, il s'avère qu'il y a plein de créatures surnaturelles, des vampires, des loups-garous, des sorcières, des chamans, des démons, voilà, qui vivent dans cette ville, et qu'il y a même un conseil, en fait, régi par chaque chef de clan. Et en fait, Rebecca va être amenée à faire une enquête pour découvrir la disparition de membres de clan et savoir ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'une voyante chamane s'est fait tuer juste avant. Et voilà, donc j'en suis vraiment au début, là où elle accepte de faire son enquête et d'aider les clans à retrouver leurs alliés. Ça se lit bien, pour l'instant j'apprécie bien, donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. Voilà, et pour mes lectures à venir, alors il faut que je fasse mes challenges 100% Milady avec Azariel pour voir déjà si on. Voilà, pour voir les livres qui vont sortir. Alors soit voilà, je les passe en priorité, soit j'ai très très envie de lire le dernier livre d'Olivier Perru, Martyr, le tome 1 aux éditions J'ai lu, qui est sorti la semaine dernière. Voilà, donc une histoire fantasy d'un auteur français. Je vous conseille de lire Druid, qui est juste génial, avec une mythologie de fond qui est super bien écrite. Et voilà, on passe un bon moment. Et voilà, et donc du coup, Olivier Perru, il rentre dans cette catégorie d'auteur où on voit le livre, on ne regarde même pas de quoi ça parle, on le prend et on part avec. Et c'est ce qui s'est passé pour Martyr. Déjà, la couverture, elle est juste magnifique. C'est lui qui fait les illustrations. Donc, Olivier Perru, c'est également l'auteur des Hauts Conteurs qu'il a écrit en collaboration avec je ne sais plus qui. Les Hauts Conteurs, c'est une quintalogie. Voilà.
Donc je pense également que c'est lui qui a fait la carte. C'est vraiment, vraiment super beau. Hein. Et voilà, on a pas mal d'illustrations comme ça également en noir et blanc dans le livre. Donc j'espère lire ça en tout cas très rapidement parce que c'est pareil, comme il sera aux imaginales, je vais le lire avant pour pouvoir en discuter avec lui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je me suis un petit peu attardée sur certains livres, mais il y avait beaucoup de choses à vous dire. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, vos avis, si vous avez lu des livres que j'ai lus, ce que vous lisez en ce moment. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!